Au lycée agricole de Chaluis, une cinquantaine d'étudiants se forment au métier de l'eau. Une filière qui a la cote, car pour beaucoup, l'intérêt vient avant tout des questions d'écologie. C'est déjà une question, un enjeu mondial, et il faut que chacun mette son petit coup de pouce pour qu'on s'en sorte tous, parce que malheureusement, l'eau, on en a besoin. L'établissement propose un BTS et une licence professionnelle, deux formations qui ouvrent vers un grand nombre de métiers. Vous pouvez très bien réaliser des forages, vous occuper d'un réseau d'eau potable au sein d'une commune, gérer les milieux humides dans une autre commune ou en montagne. Et effectivement, c'est cette diversité qui fait l'intérêt de la formation. Car les prévisions de raréfaction de la ressource sont aussi inquiétantes que porteuses d'emploi pour la filière. Des débouchés, il y en a. Des débouchés en France, des débouchés à l'étranger, parce que le sujet de l'eau, ça sera d'autant plus important à l'étranger avec des pénuries dans certains pays importantes. Pour certains étudiants, les premiers contacts noués ici leur permettront d'espérer un emploi dès la fin de leur formation. D'autres approfondiront leur vocation en master ou en école d'ingénieur, mais tous ont l'intention d'agir à leur échelle pour l'environnement.